Et en dehors de la ville de Hendaya, moi je le confirme, je l'ai rencontré dans différents moments et occasions. Bon, je vais vous dire le mehwar djouhari, la vidéo a dit, ou le message qu'on doit passer sur ma vie artistique. Je vais vous dire qu'il y a un point très important. Moi j'avais 10 ans. J'avais 10 ans après des études de primaire à Surcouf. J'avais un frangin, l'aîné. J'ai fait une annonce à l'époque dans le journal Al Mujahed. Il n'y avait que le Mujahed Chab, l'actualité algérienne avec le monde. Il a vu l'annonce, Hadarna Sheikh Lahmo. Ah bon, mais personne ne savait qu'est-ce que c'était l'art chorégraphique, ni moi. À l'âge de 10 ans, moi je ne pouvais pas savoir ce que c'était l'art chorégraphique. Ah bon, t'as pour me dire qu'il fait craindre l'annonce. Après ma sixième, je suis allé à la Surcouf, pour un stage artistique, une formation plutôt artistique, académique. Bon, j'avais 10 ans, c'était en 70 exactement, le 11 novembre 70, pour être précis, parce que je tiens encore la date dans ma mémoire. D'accord, bon, j'ai continué en parallèle mes études. Il y avait l'enseignement spécifique et l'enseignement artistique dans cette académie qui était une académie russe, encadrée spécialement par des professeurs russes à l'époque. Bon, à l'âge de 10 ans, vous me disiez que qu'est-ce qu'il peut connaître un enfant à l'âge de 10 ans dans un art aussi immense qu'est la chorégraphie. Genre, bon. Un tel qu'on a fait la formation, c'était les débuts, les moments d'apprendre l'apprentissage de la base. Ah bon, c'était une formation mahdouda fait 7 sanawat à daquel waqt. Après les 6 ans de formation, je devais quitter l'Algérie pour continuer des études supérieures en URSS, à Pékin, à Prague, à Budapest, à Helsinki et à Varsovie. Alors c'était les pays où ils étaient.